Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ont été bénis et pour ce qu'ils ont donné comme témoignage. Alléluia. We're going to pray first for Eve. Amen. Amen. On va se tenir debout. We're going to stand. On va prier pour le frère Eve. And we're going to pray for the brother Eve. Il a parlé d'un accident. He has spoken of an accident. La Bible déclare que à travers une situation, that through a situation, Dieu fait d'autres miracles. God makes other miracles. Et nous, and we, souvent la parole qui est lancée, often the word that is called, nous devons regarder à l'intérieur de cette parole, we should look inside that word, the call, et saisir, and take hold, la partie spirituelle, the spiritual portion. Le manager est arrivé, the manager arrived. Il a vu l'accident. And he saw the accident. Mais il a dit, but he said, certainement ça doit pas être ta place là. Certainly that shouldn't be your place there. Mais seulement, but only, c'est que là où tu es, there where you are, c'est petit. That is small. Hallelujah. Hallelujah. On va prier. We're going to pray. On dit qu'à travers ce qui s'est passé, that through what happened, que cela soit un élément, may this be an element, pour que Dieu l'élève davantage, so that God elevates him et even Dieu more, le positionne, and may God position him, là où les hommes ne pensaient même pas le positionner, where people didn't think he could be positioned, et que tout ce que l'ennemi voulait faire all dans the enemy accidents, wanted to do through these accidents, que nous cancelons tout ce qui est accident dans sa vie, that is accidents et cancelons life, la main de l'ennemi dans sa vie, the hand of the enemy au in nom life, de Jésus-Christ. Prions. Let's pray. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce, tu es Dieu. Tu es éternel, papa. C'est dans ta maison que ton fils a témoigné de ta grandeur. L'ennemi voudrait, Seigneur, qu'à travers cet accident, que ton fils quitte ce travail. Mais Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui es élevé, Seigneur, et tu as permis que eux-mêmes confessent et qu'il augmente son salaire. Nous chassons ce matin en ton nom dans l'unité tout ce qui est manifestation de l'ennemi autour de sa vie, de son travail, de son foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons toute chaîne d'accident au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons tout ce que l'ennemi veut faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à chaque fois que l'ennemi voudra renverser son fils, que Dieu l'élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'humiliation et la honte tombent sur ses ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ô Dieu Tout-Puissant, que Naaman est en train de planifier pour tuer, pour détruire Manoché. Mais Dieu a utilisé une nouvelle puissance et Manoché a été élevé et Naaman s'est retrouvé à la croix. Ce matin, tous ceux qui planifient l'accident dans la vie de Yves se retrouvent dans le tombeau et dans ces accidents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous relevons le Fils de l'Éternel dans la grâce de Dieu et devant le trône du Seigneur. Et il est désormais sous la protection divine. Qu'à chaque fois que les gens voudront le renverser, Dieu est le seul unique, le relèvera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année ne finira pas, ses ennemis seront dans l'humiliation parce que Dieu va l'élever de hauteur, de grandeur. Et tous ses projets, tout ce que ses mains vont toucher vont fleurir. Et là où fouleront la plante de ses pieds, comme a dit la parole de Dieu, il prendra possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets le feu dans le cœur de ses ennemis. Je mets la distraction dans le cœur de ses ennemis. Je mets la mort physique et spirituelle dans le cœur de ses ennemis et je redonne une nouvelle vie, une nouvelle gloire, la puissance de Dieu, la faveur de Dieu et la grâce de Dieu sur son serviteur Yves Yonis ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.